dans ce système qui est là, monsieur. Alors que Bazalaki Kobime na babalabala pour na ba cause non fondée pour na distraire la population, la République démocratique du Congo, nzoka nena cesse, ba complot ya mabe ezalaki kobongisama, yankuku et bimi na mpoisa, mou kwantombolo fachi beton, azali ya nzambe. Lors ya point de presse, tenu lobby eleki na Kinshasa, ba service à renseignement militaire, la République démocratique du Congo ba pesaki lumière, pe ba révélaki ba fait oye memaki na arrestation ya Salomo Kalonda, escadelle la ndenge ba benga kaye, proche collaborateur ya Moïse Katumbi, oyo a se déclaré qui candidat na l'élection présidentielle ya le 20 décembre 2023. Na micro ya magazine plus 243, colonel Patrick Kangoli, conseiller juridique ya état-major ya renseignement militaire, a communiqué qui boyé. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Fukashi, dans le province du Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Le 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idikar Onadela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en plein échauffé avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33 30 46 46. Monsieur Salomon Idikar Onadela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par les éléments de force de la République de Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idi Kalunda Tena. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Kalunda Tena était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23-RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangais. Toujours selon l'information recueillie de ce téléphone, M. Salomon Idikar Ondatela a aussi établi des contacts directs avec le major Nguesi Frère, assistant de M. Soutane Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste. Pour un rappel, les alaki mokolo ya mardi 30 mai et les kinde bachaki maboko na conseil spécial ya Moïse Katumbi, Salomon Escadela na tarmac aéroport international ya Njili, pendant kazalaki ko s'apprêter pour na kokende Lubumbashi, chef lieu ya province ya O Katanga. En croire ba service ya renseignement militaire, Salomon Escadela azali poursuivi pour l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes à feu. Dossier à suivre. De M. Soutane Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23-RDF.